Bonjour, je m'appelle Guy Delaurier. Je suis président du centre culturel, du centre communautaire La Girouette, que vous voyez de l'autre côté de la rue. Le centre existe depuis 17 ans, mais ça fait 2 ans qu'on est dans ce nouveau local que vous voyez à côté. La communauté a des difficultés d'accès aux services, autant les services de santé, autant les services sociaux, tout ce qui est services en français. La communauté a un gros problème d'accès. Donc, moi, mon rôle, c'est d'essayer au moins d'éliminer certaines barrières par rapport à l'accès aux services de santé en français. Bonjour tout le monde. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici. Et c'est vraiment... on a déjà un exemple d'action communautaire d'avoir des régions du Sud-Ouest représentées ici, en même temps ici à Chatham. Un partenariat, c'est quoi? Une relation dans laquelle au moins deux parties ont des objectifs compatibles, s'entendent pour travailler ensemble, partager les risques et les résultats. Prise de décision en commun. Alors, vous prenez les décisions ensemble. Si vous êtes deux partenaires, vous prenez les décisions ensemble. Vous partagez les risques. C'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. La raison pourquoi je pense qu'un organisme qui sont prédominés anglophones faut faire les partenariats avec les autres agences qui offrent les services à la communauté francophone, c'est vraiment d'utiliser les choses qui sont les meilleures d'un organisme en partenariat avec un autre. Alors pour nous autres qui ont vraiment l'expertise de la promotion de la santé, de faire le développement communautaire, mais pas vraiment les liaisons, les relations avec la communauté francophone, avec les gens francophones. Alors, de travailler ensemble avec les autres organismes, pour nous autres, comme le réseau ou pour comme l'école, c'est vraiment d'utiliser les connexions, les relations qu'on a avec notre ressource de développement communautaire. La communauté francophone est très éparpillée, donc on est un peu partout. Donc aujourd'hui, de se regrouper ensemble, ça sert premièrement à apprendre à se connaître, puis aussi à apprendre ce qu'on fait dans nos différents organismes, dans le but de développer des nouveaux partenariats qui vont connaître un succès. Oui, c'est difficile de nous... comment est-ce qu'on dit? Exprimer. De nous exprimer en français. En anglais, on sait qu'est-ce qu'on fait, puis moi, je ne suis pas une clinicienne, donc si les termes de santé sont... C'est vraiment difficile pour moi d'en parler. Donc, mais il y a un besoin d'offrir des programmes en français, donc on a besoin d'être, de nous intégrer dans un milieu francophone pour améliorer la santé de la population francophone. Alors, on utilise les interprètes. Nous avons des frais pour les payer. Mais c'est une des choses qui sont difficiles parce que souvent, nous avons seulement une personne dans notre communauté qui parle la langue. Et avec la communauté assez petite, il y a vraiment un manque de la privacité. Pour l'interprétation. Alors, nous sommes maintenant en processus de faire une demande pour peut-être un service électronique. On peut utiliser un téléphone d'avoir la personne qui fait l'interprétation. Si vous avez des choses à organiser, par exemple, les plans stratégiques ou vous aimeriez bâtir des partenariats, avoir des réunions avec des présentations, on peut venir ou on peut travailler ou par téléconférence. Réévaluer les besoins des services des partenaires, que chacun des partenaires sait qu'est-ce que l'autre peut représenter et qu'est-ce que les partenaires peuvent apporter à la table. C'est qu'on a plusieurs services communautaires, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'un peut desservir. Et si on met un plan d'action avec tous nos organismes, on aurait une meilleure idée. Comment vous les rejoignez pour faire des partenariats aussi, puisque eux, ils sont bien imbus des problèmes de la communauté ethnoculturelle? Est-ce qu'on peut organiser des groupes focus pour aller voir ce qui se passe du côté des jeunes francophones ou des personnes plus âgées ou des nouvelles mamans? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Allons voir eux qu'est-ce qu'ils ont besoin. Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent aux activités ou qu'ils ne viennent pas aux activités ou qu'ils s'acoquinent la francophonie dans leur réalité de tous les jours?
Alors, j'ai travaillé assez fort, j'ai appris le français comme ma langue seconde et j'ai comme une priorité de faire les partenariats, d'améliorer les services et d'engager les gens qui parlent le français aussi. Alors ça veut dire qu'il faut absolument frapper à la porte des organismes anglophones. Et eux, ils ne viendront pas frapper à votre porte parce qu'ils ne vous connaissent pas. Bien, on cherche toujours à faire des nouveaux partenariats, beaucoup avec la communauté anglophone et francophone, mais les organismes communautaires anglophones pour promouvoir nos services en français puis mieux desservir les francophones et les francophiles. Des fois, c'est à travers les organismes anglophones qu'on peut aller les chercher, puisque la communauté est très éparpillée. Souvent, les organismes anglophones ont une meilleure visibilité, donc en travaillant avec eux, on peut aller desservir nos francophones de cette façon-là. Donc, prendre de l'ampleur de plus en plus. Vous savez, je travaille au Airlist. Le Airlist, c'est l'organisme qui finance les soins de santé et puis qui fait la planification des soins de santé. Il y en a 14 dans la province et moi, je travaille dans celui de la région ici. Donc, c'est Érié-Saint-Clair. Ça va de Windsor jusqu'à Sarnia. Et là, je vais vous parler d'un partenariat qui est en cours, qui vient de commencer puis qui n'est pas tout à fait démarré, là, mais les premières étapes sont là. Le Airlist a approché le Centre de santé communautaire de Chatham-Kent pour lui demander s'il voulait offrir des services en français, des soins de santé primaire en français à Pincourt, à notre communauté francophone, en commençant avec les personnes âgées. Donc, on a lancé la balle, puis le Centre de santé a dit « Ouais! » Nous avons demandé la coopération et l'aide de tous les gens dans nos carnets d'adresses. Tout le monde a répondu. Nous avons, comme j'ai mentionné, 1200 réponses et résultat préliminaire qui dit que nous avons définitivement besoin de services en français. C'est tout. OK. Pour nous, pour le centre, les priorités, c'est d'attirer à... Premièrement, de trouver les francophones de Chatham-Kent. Il y en a beaucoup, mais ils sont écartés... pas mal tout partout. C'est vrai qu'il y a des vieilles familles dans la région de Pincourt à l'extérieur, mais il y a aussi énormément de francophones qui sont dans la ville de Chatham, puis dans le comté de Kent. Ici et là, ils ne sont pas rassemblés, ils sont très, très difficiles à trouver. On aimerait commencer à les rassembler pour être capable de leur offrir des activités en français. Il y a beaucoup de gens ici qui étaient présents que je ne connaissais pas et puis ça m'a donné l'occasion de les rencontrer et puis de pouvoir échanger avec eux. Bien, la ribambelle dessert les francophones et aussi les francophiles. Et puis, comme on s'occupe des jeunes enfants entre 0 et 6 ans, bien, on a comme le mandat, dans le fond, de développer la communauté francophone, de créer des nouveaux francophones. Donc, les jeunes enfants qui passent à travers la ribambelle entre 0 et 6 ans, souvent, leurs parents vont ensuite les mettre dans les écoles francophones ou les écoles d'immersion francophone. Puis, donc, ça crée, dans le fond, des nouvelles générations de jeunes francophones qui vont, espérons-le, continuer à étudier en français puis travailler en français. Et puis, la ribambelle célèbre ses 25 ans d'existence cette année et on a des éducateurs qui travaillent à la ribambelle qui ont été des enfants de la ribambelle. Donc, on voit que ça grandit et on fait de cette façon-là la promotion du français et de la culture francophone. Le message que je vous envoie de Chatham-Kent, c'est que les francophones existent, prennent vie et sont vivants dans le comté de Kent, dans la ville de Chatham, puis évidemment Pincourt, qui est juste à côté. Oh oui, très bien. Ça va. Mais moi, je connais...